Welcome the Elvis of trainers, J.C. Fulon. Le 6 novembre 2007, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé cette date-là? Mark Zuckerberg à New York annonçait la nouvelle ad Facebook, la nouvelle plateforme. Je pense pas qu'il s'attendait à ce point-là à changer la face du marketing pour tout le monde. Il a aussi donné naissance à une nouvelle sorte d'ambassadeurs qu'on appelle des influenceurs. Faut pas... Laissez-vous comprendre, je suis pas un influenceur, je l'ai jamais été. Mais par contre, je suis définitivement un des meilleurs vendeurs que vous alliez jamais rencontrer dans votre vie. Ça, c'est sûr. Donc, comment qu'on fait pour vendre? Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que toutes les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations de partnership, qu'est-ce que toutes ces relations-là ont ensemble en commun? Il y a une seule chose qu'ils ont en commun. Ils ont absolument besoin de confiance. La confiance, c'est la chose qui va souder toutes les relations que vous allez avoir dans votre vie. Que ce soit professionnel ou que ce soit via un cellulaire ou whatever, la confiance est la base de tout. Laissez-vous pas prendre, la confiance n'est pas gratuite. Mais il n'y a aucun prix sur la confiance. Vous ne pouvez pas acheter la confiance. Ce n'est pas un sentiment qu'on peut acheter. La confiance, ça se gagne avec le temps. En faisant des petites choses pour l'autre, que jour par jour, on prend soin de la relation pour faire en sorte que la confiance grandisse, puis qu'un jour, la personne va se réveiller et va dire « Je t'apprécie et je te fais confiance. » C'est un privilège, et je dis bien un privilège de gagner la confiance de quelqu'un. Puis ça prend du temps, la preuve. Si je vous disais que j'ai été dans une date, OK? Puis après 10 minutes, et donc c'est dit, on était totalement d'accord comme de quoi on allait se marier, avoir des enfants, acheter une maison, d'aller en voyage, aller, vous me direz, t'es fou, t'es complètement fou. Mais dans l'autre sens, si je vous dis, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, mais je ne sais pas encore si je l'aime, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un problème. Fait qu'on sait que gagner la confiance prend plus que 10 minutes, mais moins que 10 ans. Il y a un moment précis entre ces deux points-là, ou, comme que je disais tantôt, en prenant soin de la relation, l'autre personne un jour va se réveiller et va faire « Je te fais confiance. » Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Excusez, j'ai un petit plan. Parallèlement, la main, qui est influenceur déjà? Oui. Est-ce qu'il y a des entraîneurs ici? OK. OK. Excusez, j'ai un petit blanc dans mon speech. OK, ça vient de revenir. La meilleure façon de motiver quelqu'un ou de présenter une idée ou présenter une page, que ce soit une souscription à une page Facebook, que ce soit un produit à vendre, whatever quoi, c'est d'arriver avec un esprit pour donner, pas pour vendre. À seconde qu'on demande quelque chose à quelqu'un en échange, la relation change automatiquement. C'est comme si je disais, ah oui, j'aime comment tu fais les choses. Ah oui, j'aime tes cheveux. Ah, c'est beau. Hey, ton père, il ne fait pas des impôts. Il semble qu'il investit dans des entreprises. Ah ouais, j'aime ça. Ça a changé en un instant. La relation prend complètement un autre tournure. Par exemple, je suis dans l'industrie du fitness depuis les 10 dernières années. Okay? Puis environ, là, 6 ans, environ, je travaillais dans un gym. Puis il y avait un client qui s'appelait Christian. Je ne sais pas si c'est très bien de son nom, c'est encore d'aujourd'hui. Christiane, tous les entraîneurs, mais je dis bien tous les entraîneurs, avaient essayé d'y vendre des services. Personne n'était capable. Personne. Tout le monde arrivait avec un instinct de vouloir, je veux lui vendre quelque chose absolument. Okay? Puis moi, de jour à jour, un jour, j'allais au gym, puis tu sais, on avait tout le temps le meaningless talking, tu sais, comment ça va? Ouais, ça va, toi, ouais. Comment ça va tes genoux? Ouais, ça va, mais ça fait mal. Okay. Voyez le monde, on a tous déjà vu ça au moins une fois. Puis au fil du temps, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça être la personne. Pas la personne qui va y vendre quelque chose. J'aimerais ça être la personne qui va améliorer sa qualité de vie. J'aimerais ça être la personne, celle qui va faire, oh,
hey, mes genoux vont mieux. Qu'un jour, j'ai fait un programme. Okay? J'ai fait un programme qui était très court, super effectif sur tout ce qui était entraînement postural. Simple, short, effectif. Je m'envoie lui partir, je lui donne. Je passe une heure complètement gratuitement, plus le deux heures que j'ai passé sur son plan. Je lui montre, dans le fond, tout ce que j'ai fait. Elle vient me voir une couple de semaines plus tard, puis elle me dit, mes genoux n'ont jamais été aussi bien que ça dans les 10 dernières années. Hein? Parfait. Content. Mission accomplie. Le temps passe. Je continue à lui donner des trucs par-ci par-là au courant des 7 autres mois suivant cette fameuse rencontre-là. À un moment donné, elle rentre au gym, elle va à la réception, puis elle demande à me parler. J'arrive, je vais la voir. Est-ce que je peux te parler en privé? OK, il y a peut-être un problème. Elle s'assied, la première chose qu'elle me dit, mot pour mot, elle me dit, je pense que je serais dû pour quelque chose de plus officiel. OK? On commence à parler de ses besoins. De ses besoins à elle, pas des mains, même si dans ce temps-là, j'étais très pauvre. On va parler de ses besoins à elle. Ça a fini qu'elle a signé avec moi pour un contrat annuel de 9 800 $ en entraînement privé. Ça fait 7 ans de ça et c'est encore un client toujours. On s'entraîne 4 à 5 fois ça. 7 ans. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous connaissez une seule compagnie, un service ou peu importe quoi, de garder un 7 ans de long avec ses clients? Tout le monde parle des nouveaux clients. Ah, je veux des nouveaux clients, c'est important qu'il y ait des nouveaux clients. Pourquoi on ne prend pas soin des anciens clients? C'est eux autres qui sont payants. C'est la même chose dans n'importe quelle page Facebook, Instagram que vous allez avoir. Quand que je dis arriver avec un instinct de donner, de vouloir donner, c'est éventuellement d'amener de la valeur à ce que vous faites. J'ai prouvé qu'est-ce que je valais à Christian avant d'avoir l'audace de lui demander de l'argent pour me payer. C'est la même chose dans n'importe quoi. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, pour la confiance. Vous pouvez me demander à quelqu'un, « Ah, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? » Pas comme ça que ça fonctionne. N'est-ce pas? Ensuite de ça, vu que c'est un truc comme influenceur, fitness, marketing, j'ai vu quelque chose de deux jours qui m'a vraiment étonné. Il y avait un entraîneur au gym où j'étais. Je ne m'entraîne pas dans les gyms où j'ai du business. Mais où? Puis l'entraîneur avait son cellulaire dans les mains pendant qu'il entraînait son client. Je vous jure que la personne qui me fait payer 90 $ de l'heure et ose sortir son cellulaire devant moi a son 4% dans le même 5 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer mon point. Je peux juste emprunter ton Sébastien. OK. Je vais vous montrer maintenant pourquoi dans aucune de mes salles de réunion, jamais il y a un seul cellulaire qui est mis. Regardez, je vous parle en ce moment, j'ai mon cellulaire dans les mains. Il ne sonne pas, il ne bip pas. Il est juste là. Le message subconscient que ça vous donne, c'est quoi? Est-ce que vous vous sentez comme la chose la plus importante dans la vie en ce moment? Non. C'est comme si un de mes employés vient me voir et me dit, hey, excuse, j'ai un problème. OK, ouais, comment je peux t'aider? Il est juste là. C'est un message subconscient. On fait la même chose. Hey, excuse-moi, j'ai un problème. J'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Juste le fait qu'il soit là change beaucoup la donne. C'est un contact humain. Les contacts humains, c'est quelque chose que absolument personne, mais je dis bien personne, ne peut nier. Il faut que les gens vous voient live, beaucoup plus que juste comme une image sur un cellulaire. C'est comme ça que j'ai fait ma business, moi. J'ai réussi à exporter mon service dans 5 pays. 5 pays, incluant Taïwan. On parle de l'autre bout du monde. J'ai jamais fait, je vous jure, aucun, zéro ad Facebook. Zéro. J'ai eu des milliers de clients. Pas des milliers, avec 3 zéros derrière la main. Comment j'ai fait ça? La constance, le temps, la patience et j'amenais de la valeur à ce que je faisais. C'est la même chose que ce soit pour des influenceurs, que ce soit pour des entraîneurs, que ce soit pour des propriétaires de business. Le concept est le même. Vous devez absolument amener de la valeur à ce que vous faites et avoir la patience et aussi, évidemment, comme je disais, amener de la valeur avant d'avoir l'audace de demander à quelqu'un de payer pour ce que vous faites, incluant les compagnies. Ensuite de ça, y a-tu des gens ici qui ont déjà eu des entraîneurs?
ou qui suivent, OK? Pour, est-ce que vous êtes encore avec vos entraîneurs respectifs? Oui. Ça fait combien de temps? Deux jours? On sent la relation. Mais, OK, mais c'est que ça va plus que deux ans, disons, sans avec l'entraîneur. Parfait. Ça fait combien de temps que tu es avec? 7 ans. C'est bien. C'est mieux ton coach. OK, ça fait 7 ans que tu es avec ton entraîneur. Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu au gym? Non, même pas. Comment tu l'as connu? Je l'ai connu à travers quelqu'un d'autre, un autre athlète en qui j'avais confiance. OK. Il y a trois façons de rencontrer quelqu'un. Okay? Il y a trois façons de créer une relation. La troisième étant la moins bonne des trois. Okay? La première, c'est de je rentre au gym, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, je veux un entraîneur. OK, il te donne un entraîneur d'emblée, tu t'arranges avec. La deuxième, c'est par référence. Donc, je connais un ami qui a un entraîneur, lui me donne. La troisième façon, c'est par les réseaux sociaux. C'est là que ça se complique. On va comparer ça à dans la nouvelle génération, qui est dans tout ce qui est avec les cellulaires. Comme si moi, je ne suis pas quelqu'un de pro-cellulaire, moi, je suis quelqu'un de pro-pâte. Moi, c'est pour ça que j'ai eu comme en 2007, là, quand ils ont sorti leur affaire de Facebook Ads, j'étais comme, je suis mort. Je suis juste mort. Moi, faire un Facebook Ads, j'ai de la misère à plugger mon micro. Je suis à ce niveau-là. Mais dans les façons de rencontrer les gens, la dernière, c'est par Internet, évidemment, comme on sait par Internet, par Instagram, ainsi de suite. C'est comme des relations, hein? Aujourd'hui, la génération n'aura jamais le struggle d'aller dans un bar faire. Salut. T'as des beaux yeux. Mais non, swipe left, swipe right. Oh, juste un match! Vous voyez? Toutes les relations sont faites exactement de la même façon, mais n'arrivent pas du même point. Et ça, c'est valable pour toutes vos relations, que ce soit dans un contexte professionnel, que ce soit dans un contexte amoureux. Ça nous ramène toujours à la même notion de confiance qu'il faut amener, que ce soit dans un partnership ou n'importe quoi. Autre chose aussi de très, très, très important, c'est que tous les influenceurs, ça c'est... Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez un show de télévision, OK? Et, hein? Quand que la prochaine épisode. Ah oh, ouais, là, j'ai vu ça. Je suis sûr qu'il va mourir, Boromir. On sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais l'équipe de production, eux, le savent depuis des années qu'est-ce qui va arriver. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils planifient. C'est exactement la même chose. Si vous avez un channel YouTube, si vous avez un compte Instagram, faut que vous soyez capable de diriger vos clients, mais dans un, comment je peux dire, dans un ordre logique. T'sais, vous n'allez pas de gauche à droite, en haut, en bas, okay, on va faire revivre un personnage. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça soit logique. Puis aussi, il faut que vous soyez capable de verbaliser qu'est-ce que vous attendez des clients, qu'est-ce que vous attendez de vos followers. Right? Je vais donner un exemple. Si je demande un exemple à Justin, si, mettons, là, je te dirais, lève-toi, puis va dans ce coin-là de la salle en ligne droite. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèverais, tu commences à marcher en ligne droite. Je prends une chaise et je la mets devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contourner la chaise puis tu vas continuer à marcher. Tu as désobéi à un ordre direct qui était dit à la ligne droite. Ben, à la fin, tu es quand même arrivé à la même destination. Ouais. Là, on fait la même chose. Le temps, je te dis, lève-toi, choisis le coin que tu veux dans la salle et marche en ligne droite. Tu vas voir, on est là-bas. Je prends une chaise et je la mets devant toi. Tu vas faire, tu n'es pas le bouge, on est là-bas. Le point étant que, quand on sait exactement où on s'en va, on est beaucoup plus prêt à passer par-dessus n'importe quel obstacle qu'il y a dans notre chemin. Comme un plateau en entraînement, un manque de motivation. Quand vous êtes capable de verbaliser qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un, il va être beaucoup plus enclin à vouloir passer par-dessus les obstacles. Ça, c'est dans n'importe quoi. C'est ça? Avez-vous des questions? Questions sur les relations. Que ce soit sur la confiance, l'entraînement. D'accord. Si on joue. Oui? Donc, tu
Moi, je touche pas aux réseaux sociaux. La différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, j'ai assez d'argent pour payer des gens qui savent ce que moi, je sais pas. C'est juste ça, le gap entre les deux. Faut pas se mettre en par contre. Hein. Les réseaux sociaux sont une très grosse valeur marketing. Une très grosse valeur. Mais ça doit absolument être en symbiose avec votre face-to-face. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Vous êtes venu ici ce soir, vous avez pu regarder exactement la même chose dans votre écran d'ordinateur. Non. Vous avez choisi de venir ici. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'interaction humaine. Il y a quelque chose, quand on voit l'autre, il y a un banc qui se crée. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous êtes dit, je vais prendre mon temps, je vais aller dans les catacombes, là, c'est en avant. Je vais trouver un parking, je vais me déplacer, je vais venir, je vais masser, parce qu'il y a quelque chose dans l'interaction humaine qu'on ne retrouve pas au travers d'un écran. Vous n'avez jamais le même pied. C'est impossible. C'est pour ça qu'on va voir un show live. Il y a la même chose. On peut mettre le CD live dans un salon et mettre le très fort. C'est la même chose. C'est la même chose. Le feeling n'est pas pareil. C'est oh, c'est Justin Bieber. Pas la même chose quand il est à la télé, puis comme. Personnellement, c'est pas trop mon fort. On a Justin Bieber, mais bon, vous comprenez le point. Une autre question? Qu'est-ce que tu veux dire, un gars de fitness? Ben, t'es entraîneur. Oui. Est-ce que c'est ta passion? Oui, absolument. Tout ce que j'ai fait, tous les business que j'ai, à part une, ont tout rapport au fitness. Je suis même. Ça, c'est un. Oui, comment je peux dire? J'étais quelqu'un d'extrêmement perdu dans la vie. Extrêmement perdu. Puis, un jour, je me suis levé, puis dans ce temps-là, j'habitais avec mon frère. Puis quand c'était fait, t'avais le four là, t'avais un couloir, puis au bout, t'avais la porte ouverte, c'était la salle de bain, puis t'avais un miroir dans le fond. Je me suis regardé, je vous jure, j'avais la mort. Puis ce jour-là, j'ai marché un gros 10 km pour aller jusqu'au gym. Dans ce temps-là, je n'avais pas de voiture. J'étais jusqu'au gym, je suis rentré là une fois, puis j'ai jamais ressorti. J'ai assumé ça pour en faire une carrière. Puis, c'est une carrière incertaine. Tout le monde est comme oh, le fitness. Hein? J'aimais entraîner les gens bien avant que ça devienne la mode. Bien avant ça. Tu sais, à ça, les gens ils disent entrepreneur, influenceur, entraîneur, puis tout, parce que c'est la mode. C'est pas ce qu'ils sont dans eux. C'est extrêmement différent. Parce qu'il y en a un qui va y aller pour jouer une game de fin, puis l'autre va vouloir faire une game d'infini. Le premier va chercher le gros signe de pièce. Le deuxième va essayer de faire durer la game le plus longtemps possible parce qu'il aime ça. Je te laisse donner quel des deux va gagner. Fait que c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté.